Ok. Par rapport à au compte, nous avons les screenshots des messages en iceberg des transactions qu'on avait eu l'habitude de faire, donc les dépôts et les recrets. Parce que lorsque tu fais le dépôt et le recret, ils envoient les messages. Nous avons le numéro qu'ils nous ont appelé hier à 21h par MTN. Ils ont appelé avec un numéro MTN à 21h, disant que notre compte est saturé et qu'ils vont qu'on attende 30 minutes pour qu'ils puissent nous libérer. Pendant les 30 minutes là, nous on buvait, on était fiers, bah, le compte dérangeait. Avant que le match ne finisse, le compte était là tranquille, ça ne dérangeait pas. Maintenant, ce matin, maintenant on vient maintenant pour le coup, ils ne voyaient, ils disent que notre compte, notre numéro n'a jamais existé. Or, on a le compte là depuis avec le même numéro. Les preuves sont le, comme vous avez suivi, les transactions faites avec le numéro et le numéro auquel ils nous ont appelé. Mais la preuve concrète sont les transactions faites avec le numéro. Parce que tu ne peux que faire les transactions avec le numéro que tu crées le compte. Parce qu'on crée le compte avec un numéro de téléphone, une carte d'identité. Donc la somme est de 13 650 millions gagnés. On a joué le ticket là pendant un mois. Les derniers matchs étaient hier, Cambou, Paris Saint-Germain et Roma. Cambou joue à 13h, Paris Saint-Germain joue aussi 14h et Roma jouait à 18h. Donc quand c'est parti, c'est comme ça s'est passé. On a fait les captures d'écran des transactions faites avec MTN par rapport au compte via au compte Mobile Money. Parce qu'ils sont en relation. Donc parce que même quand tu as un problème, que non, tu as fait un dépôt, ils ne t'ont pas reçu, ils ne t'ont pas envoyé ton argent, tu appelles MTN. MTN les appelle. Parce que c'est synchronisé. Et on a fait les captures d'écran là. Donc la seule capture qu'on a passée, c'est la capture de truc. On a le numéro du compte même d'abord, le numéro du compte qu'on a créé un iceberg avec. Donc le numéro du compte est là. Là-bas, ça ne blague pas. Ce n'est que ça qu'on a comme preuve. Bref, le montant gagné est de 13 650 millions de francs CFA. Donc vraiment, c'était pour nous une chance de devenir aussi riche en Afrique. Parce qu'avec ça, on rêvait déjà plus loin. On a joué le ticket au prix minimal d'habitude, 90 francs. Donc, on a pu attendre, on a tout fait. Je vous assure, je ne sais pas comment parler. Je suis perdu même.